Message du dimanche de la divine miséricorde. Frère nous sommes. Gagne quelque temps depuis ce pape Jean-Paul II, côté l'église là qui se maman nous sur votre face, considérer et célébrer de façon officielle deuxième dimanche dans ton Pâques là, dimanche cœur sensible, bon Dieu. Dimanche de la divine miséricorde. Mais en réalité, c'est chaque jour que sensible bon Dieu l'a manifesté dans l'histoire de nous comme monde. Et c'est dans ce sens que le document a été publié, une encyclique qui relève diverses miséricordialités dit la miséricorde divine. Est la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire blessée par le péché. Qui donc nous capable comprendre comment que sensible mon Dieu, miséricordieux, lui paraît bien grand à travers cette Pâque-là, célébration, souffrance, la mort à résurrection Christ-là. Qualité mystère ça, que sensible mon Dieu, l'exprime à travers parole, mon Dieu, l'étigile en messe, l'soumettre nous pour nous capables de méditer, pour nous nourrir la foi. Deuxième lecture, frère Seigneur. Dans la première lettre, l'apôtre Pierre a écrit, les montre nous ça plus toujours. Comment c'est dans le cœur sensible, mon Dieu, lui fait nous faire une deuxième fois l'hérité levée Jésus-Christ sorti bien vivant dans le monde. Et ces qualités, message ça, qui m'ont nous une espérance pour nous capables, nous-mêmes tous, nous arriver quoi, là nous mourir ensemble avec Jésus, nous guérir pour nous revivre. Ensemble avec lui. Dans ce sens, je nous habitue à chanter. Dans belle chante Pâques qui dit, Pâques mandé nous passer. Nous besoin chaque jour, frère mieux, Seigneur, pour nous travailler plus toujours, pour Pâques là, capable de tourner pour nous, un passage tout bon vrai, un passage de raillissement à remède, un passage de division à tête ensemble, un passage de feu noir à lumière. Et si qualité événement ça, qui s'est fait pas clair, li pas tourné pour nous, passage ça yo, eh bien, nous ne sommes pas capables de vivre et contempler que sensible bon Dieu. Dans la première lecture, dans le livre Travail à Potio, eh bien, nous t'attendons qui qualité remet, qui t'a traversé partisan Jésus dans le commencement de l'Église là. Yo t'a vivre dans tête ensemble. Yo t'a toujours séparé sa yo gagné. Yo t'a comme la prière ensemble. Et la médité, qualité mot sur la Bible ça, nous t'a capable poser tête nos questions en t'en a demandé. Est-ce que ce n'est pas même l'Église qui vient joindre nous-mêmes chrétiens, journée et journée? Si oui, mais pour qui ça, nous ne pouvons pas vivre dans notre ensemble? Si oui, mais pour qui ça, nous refusons de vivre dans le remède l'un pour l'autre? Mes amis, nous bouge tout le monde qui peut agir. C'est un seul slogan que nous attendons. Yo tout a dit comment longtemps, eh bien, voisinage, c'était famille. Et je ne dis pas, dans l'action que nous posons, c'est un seul slogan, c'est chaque coucou que les réfugiés. Et ça qui est plus grave là, même famille, pas famille. Ça veut dire, même monde qui famille, même monde qui sorti, dans les mêmes entrailles. Yo pa vle vivre dans tête ensemble. Dans telle réalité, nous pas montrer
que nous prenons modèle sous première communauté chrétienne, le travail à Potio, le présenter dans la première lecture, deuxième dimanche, dans Pâques-là, dimanche de la divine miséricorde. Ça veut dire, nous sommes capables de gagner tristesse avec la pérèse, nous sommes capables de tourmenter face à la situation que nous avons rencontrée dans la vie. C'est vrai, nous sommes capables de sentir que nous ne sommes pas capables encore face à la vie fenoua qui envahit nous. Mais au seul bagage, tant que Thomas dans l'évangile là, après le définiment Jésus, nous avons besoin de dire belle parole, la foi ça. Bon Dieu moyen, grand maître moyen. Bon Dieu moyen, grand maître moyen. Nous chaque, quel que soit côté nous y est, nous vivons bel message, deuxième dimanche dans Pâques-là, nous besoin de dire parole ça avec la foi. Bon Dieu moyen, grand maître moyen. Dans le premier temps, Thomas a gagné difficulté pour être capable de voir la bonne nouvelle résurrection. Pour lui-même, ça te paraît impossible. Pour lui-même, qualité bagaille ça, pas capable de vivre. Parce que, il a dit, Jésus est mort, il a enterré, et puis pour mon Dieu, il a dit, il a rencontré. Eh bien, il a gagné difficulté pour lui croire dans le message de résurrection. C'est à nous-mêmes, chrétiens, aujourd'hui, ça capable de vivre non. Nous sommes capables de gagner difficulté pour nous capables de croire plus dans mon Dieu. Nous sommes capables de gagner difficulté pour nous croire que bon Dieu lui-même est capable de retirer nous dans sa vie, dans sa vie aujourd'hui. Mais au seul bagage, Jésus, évitez-nous de gagner plus la foi, leur dit à la chance pour le monde qui croit sans une parole. Oui, frère mio, Seigneur. Nous ne pouvons pas de douter de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas de douter de ça, mon Dieu, qui est capable de faire dans la réalité la vie. Non, parce que pas de rien qui est impossible pour mon Dieu. En pile fois, nous pouvons faire quelques prières demandes à mon Dieu. Mais nous ne sommes pas capables de jouer le résultat. C'est parce que nous quittons le doute envahissant. Et le doute est le plus grand ennemi de la réussite. Et comme nous dit Napoléon Bonaparte, le doute est le plus grand ennemi des grandes entreprises. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de rêver, réaliser un rien qui grand si nous quittons le doute la lui-même. Lui envahit. Baptisant Jésus, il était paix. Pour les Juifs, pas envahi après la mort de Jésus. Et c'est ça qui fait, Saint Jean lui-même, lui raconte nous comment, baptisant Jésus, il était toujours fermé porte, bien fermé. Il était toujours, eh bien, fermé porte côté yoye, parce que il était paix Juif. Parce que la tristesse, la pérèse t'a envahi. Mais ce qui est important, vous t'avez fermé votre caillou, mais vous t'avez quitté votre cœur bien ouvert. Vous t'avez fermé votre caillou, vous t'avez quitté votre cœur l'ouvrir pour bon Dieu lui-même, il était capable de rentrer. Vous t'avez fermé votre caillou, mais vous t'avez quitté votre cœur l'ouvrir pour que sensible. Bon Dieu lui-même, il était capable de rentrer dans le cœur pour que posé Jésus-Christ, te porté pour vous, te capable d'envahir. Après Jésus, te fait une baille, eh bien, disciples, que posé ça, lui dévoyer une mission, en tant qu'il était partagé avec vous, mais mission, bon Dieu, papa, te confié là, il te dit. Même Jean, papa, te voyez non, c'est comme ça, moi-même tout, moi voyez non. Une mission qui veut jouer, nous tous baptisés, je l'ai joli. Et Jésus,
Li te konè ke misyon sa kapab paret difisil pou nou. Li te konè nou te kapab remontre difikilte nan misyon sa. E se sa ki fè, li te ban nou l'esprit liyan pou fortifye nou. Li te ban nou l'esprit liyan pou fè route ansanm avèk nou. Ki fè, frèm yo sèm yo. Pendant deuxième dimanche de notre Pâque, dimanche de la divine miséricorde, dimanche cœur sensible, bon Dieu. En nom de bon Dieu, la grâce pour nous capables toujours être fidèles à engagement baptême non. La grâce pour nous capables qu'aimer engagement baptême ça dans toute situation à vivre. Dans toutes difficultés, nous rencontrer pour cet engagement ça qui servit comme boussole pour nous et notre travail pour ne pas perdre route ça, route lumière que simplement baptême dans lui-même lui mettait nous là-dedans. Oui, frère mio, sœur, nous besoin qualité la grâce ça, la grâce pour nous être fidèles à engagement chrétien. Pour, malgré être chargé, nous rencontrer à coronavirus, à tout l'autre virus qui a ravagé nous, pour ne pas gagner rien qui sépare nous de l'amour de Dieu. Comme ça, même si la pandémie exige nous, pour nous capables de prendre une distance sociale, une à l'autre, mais nous ne pouvons jamais oublier que nous, chacun, nous ces branches, yon seul vie bois qui vivait kembe grâce à remède, bon Dieu Papa, petite là, avec l'Esprit Saint.